Good morgen, allez Yiden, le sujet aujourd'hui le Nishmat, Dov ben Yehudit, Eviatar Amram ben Chedva, ainsi que l'Irfuat, Chaim Avraham ben Rachel et Moshe Yuel ben Rachel, et Torchar, Cholé Israël, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous disions Masrach Shabbat, Berek Yamishna Bet. Chamor Yotzeb Mardaat, Bizman Shehik Shuralo, Zecharim Yotzim Levouvin, Rechelot Yotzot Shruzot, Kvulot, Kvunot, Aizim Yotzot, Tsurot, Rabbi Yossi Ozer Bechulan, Chutz Minarechelim Hakvunot. Rabbi Yehuda Omer, Aizim, Yotzot, Tsururot, Le Yabesh, Avallo, Le Chalav. Petit rappel d'abord, on a commencé depuis la Mishnah précédente, le cinquième Pérec, on parle des choses, ustensiles, vêtements, si je peux dire, outils, que je peux laisser sur mon animal pour qu'il sorte sur dans la voie publique le Shabbat. C'est-à-dire, je m'explique un peu mieux. Shabbat, je n'ai pas le droit de travailler. Travailler, ça implique faire un des 39 travaux qu'on apprendra à Bezrat Hashem lorsqu'on arrivera au 7e chapitre. D'accord? En l'occurrence, l'un d'entre eux, par exemple, c'est porter dans la rue pendant Shabbat. C'est interdit. Et puis, autant que je n'ai pas le droit, moi, de porter dans la rue pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de porter par l'intermédiaire de mon cheval. Et je précise, je répète, je n'ai pas le droit de porter, moi, par l'intermédiaire de mon animal. Mais mon animal lui-même, il a le droit de porter pour son propre intérêt. C'est-à-dire, si mon animal, lui, mon chien, il a trouvé dans la rue un os pendant Shabbat, il va le ramasser et il va partir le manger dans un coin. J'ai pas besoin de lui crier Shabbes. On peut rester calme, c'est pas grave, lui il a le droit de manger. Par contre, si moi je veux transporter quelque chose pendant Shabbat et je veux le donner à mon chien pour qu'il le porte, je transgresse un interdit de la Torah. D'accord? Le'eman yanuach shorcha v'chamorcha ve'lo ta'aseh kol melacha ata uvemtecha. C'est écrit dans la Sefer Hadibrot. J'ai pas le droit, moi, de travailler par l'intermédiaire de mon animal. Lui, il a le droit de travailler. Il a le droit de partir brouter. Si c'est ma vache, elle a le droit de partir brouter pour son propre intérêt. Mais j'ai pas le droit, moi, de la faire piétiner mon blé parce que c'est interdit de dash, par exemple. D'accord? C'est clair. Dans notre chapitre, on met le zoom spécialement sur les choses que l'animal peut transporter et porter pendant Shabbat. C'est-à-dire, on a déjà introduit une notion assez délicate, d'accord, je vais vous expliquer très rapidement la difficulté. On avait déjà introduit dans la Mishnah présente, en théorie, un animal, on avait posé la question même pour un homme, qu'est-ce qui me permet moi de sortir habillé pendant Shabbat, peut-être que je porte mes habits. Et la réponse elle est que non, les habits ça fait une partie intégrante, ça vient m'habiller autant que moi je peux sortir, lorsque je mets un vêtement, eh bien le vêtement il vient m'habiller, c'est pas quelque chose que, c'est pas un massoï. Le jeu de ces chapitres, ensuite, on va encore en reparler, cette fois-ci on va parler des hommes, cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on a le droit de mettre sur soi? Est-ce qu'on a le droit de mettre une bague ou pas? Quel type de tarchitim? On a l'occasion, on en reparlera avec Zatachem dans le 6e Pérec. Pour le moment, on s'intéresse sur l'animal. Donc je reviens. Quand moi j'ai le droit de sortir dans la rue, j'ai le droit de sortir aussi habillé, Baruch Hashem. Pourquoi? Parce que les vêtements, c'est pas quelque chose d'externe à moi que je porte. C'est quelque chose qui vient m'habiller à moi, c'est pour moi-même. Mais mieux que ça, même quelque chose que je vais mettre pour me protéger à moi, alors c'est une protection pour mon corps, c'est permis. En l'occurrence, un pansement. Si j'ai une plaie, j'ai le droit de mettre un pansement. Ça s'appelle pas que je suis en train de porter le pansement. Par contre, si des lunettes, si c'était pas que les lunettes, c'est quelque chose qui habille un homme, c'est joli, on paye cher pour qu'elles soient belles, sinon on achèterait des grosses lunettes à l'ancienne. Même à l'époque, il y avait une mode avec la petite loupe comme ça qui mettait. Mais si c'était pas quelque chose qui venait habiller, ben, il y aurait un problème de mettre des lunettes. On avait évoqué aussi le problème de la montre. Tous ces sujets-là font l'objet de discussions dans les poskim. C'est une montre toute moche, toute simple, qui fait que de donner l'heure. C'est pas évident de sortir avec elle dans le Rechut Rabim pendant Shabbat. C'est sûr. D'accord? Il faut avoir au moins une belle montre, comme ça c'est un tarchit. Et ainsi de suite. Même ça, il y en a qui discutent. Tout est d'accord? Voilà le principe général, définir est-ce que c'est un vêtement ou c'est pas un vêtement. Pour les animaux, c'est un peu plus délicat, parce que dans sa nature, l'animal, il n'a pas besoin, il n'a pas de problème à gambader tout nu. Personne ne remarque quoi que ce soit, il n'a pas de date, il n'y a pas de problème. Le problème est que, donc, en théorie, tous les vêtements qu'on va lui mettre, en théorie, devait être un massoï. Pourquoi est-ce que je lui mets maintenant? Malgré tout, alors là maintenant, je pose la généralité qui était explicitée dans la Mishnah précédente. Netiruta. Sharia, netiruta yetera, asura. Netiruta, ça veut dire tout ce qu'il garde, c'est permis. Tout ce qui vient pour protéger l'animal, c'est permis.
Mais ce qui est une protection un peu trop poussée, un peu de l'extra qui n'est pas. D'accord? Et bien dans ce cas-là, ça devient interdit parce que c'est considéré comme un massoï. Ça, c'est délicat, hein, c'est-à-dire la généralité, elle est assez simple. On va prendre un cas classique, quelque chose que je vais mettre sur mon animal pour le protéger. Le cas classique qu'on va voir ici pour l'âne. L'âne, c'est un animal qui a toujours froid. Même en Tamouz, au mois de juillet, alors que le soleil tape, l'âne, il a toujours froid. Et j'espère que vous n'avez pas frileux. L'âne, il a toujours froid. Et donc, lui mettre maintenant une couverture sur lui, ou même lui laisser la selle, ce sera permis. Parce que parce que c'est son propre, c'est pour son propre profit. D'accord? Ça va être une notion assez simple. Tout ce qu'on va mettre pour l'animal, pour sa propre protection, c'est sûr que c'est permis. Mais même mieux que ça, si c'est le protéger pour ne pas qu'il se blesse, quelque chose, comme moi, comme je vous ai dit, j'ai le droit, moi, de mettre un pansement pendant Shabbat, ça ne s'appelle pas que je porte un autocollant. Alors que si je voulais mettre à mon enfant, je vais marcher dans la rue, j'ai peur qu'il se perde dans la rue, je vais lui mettre un bout de scotch avec le numéro de téléphone de la maison. Ou son nom, son adresse. J'ai pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Il y a en théorie un interdit pendant Shabbat. Parce que cette fois-ci, c'est plus un tarchit. D'accord? Mieux que ça, imaginez. La Gemara parle même de tzitziot qui sont devenus psoulim. Ouais, un tzitzit, on est à quatre coins. Tant qu'on fait la mitzvah, c'est un vêtement. S'il n'y a plus de mitzvah, y en a un qui a été invalidé, donc c'est invalidé de tous les autres. Eh bien, sortir avec ce vêtement de ce talit, où il y a dedans juste trois franges, mais pas la quatrième, dans ce cas-là, chaque frange, ça devient un tildoul, même si c'est accroché. Je vous avais parlé même du principe des boutons qui seront cousus sur une chemise, pas pour fermer la chemise, mais juste en supplément, au cas où on a besoin de changer un bouton. D'accord? Ça, c'est très général, définir. Qu'est-ce qu'on considère comme partie intégrante du vêtement? Qu'est-ce qu'on considère comme un vêtement? Pour les animaux, je reviens. Pour les animaux, alors, il va falloir définir. La Mishnah, la Gemara nous donne une généralité assez claire à gober, à prendre et à répéter. Mais ensuite, pour l'appliquer dans quelle situation, ça va devenir un peu plus subtil. Et personnellement, je n'ai pas réussi à bien comprendre la règle générale. Il y a donc une protection naturelle normale, t'as le droit de le faire. Une protection extra, ça devient interdit. Tant que tu vas faire quelque chose pour protéger l'animal, c'est permis. Mais même mieux que ça, on va découvrir dans la Mishnah toutes sortes de protections qui ne sont pas du tout nécessaires pour l'animal. À la limite, même l'animal, il aurait voulu autrement. Mais malgré tout, puisque l'animal, c'est un appareil de production pour moi, alors je vais pouvoir le protéger, lui faire des petites productions, comme on va voir, par exemple. On va parler d'une brebis, on va lui permettre de lui mettre un petit manteau pour bien protéger sa laine, pour qu'elle reste belle et souple. La brebis, elle s'en moque. À la limite, laisse-la avec sa laine tranquillement. Ouais, tu viens, tu lui casses la tête à ne pas marcher n'importe où pour ne pas que sa laine s'abîme. Ça lui casse les pieds, tout ça. Malgré tout, puisque elle est censée me produire de la laine, eh ben, j'ai même le droit de protéger sa laine. La protection que je vais mettre pour sa laine, ça va être permis. Mieux que ça, même, comme on va voir dans la Mishnah, toutes sortes de situations où on va favoriser la reproduction, ou bien on va empêcher la reproduction selon la période des mois de l'année, c'est plutôt... Ça va faire des beaux fruits ou des mauvais fruits. Ouais, donc on va soit favoriser en leur levant leur queue des femelles pour favoriser que les mâles vont s'accoupler avec elles. Ou bien inversement, on ne va pas vouloir qu'ils s'accouplent. Donc on va au contraire mettre une peau sur le mâle, une peau sur son membre, de manière à ce qu'il ne va plus pouvoir s'accoupler. De nouveau, ça va être considéré puisque c'est une production, c'est une protection que... Puisque lui, il est censé... C'est subtil à comprendre. Personnellement, j'ai pas de définition exacte à vous proposer, en fait. Je commence à traduire la Mishnah, et quand on va arriver, comme ça évitera qu'on prenne un peu trop en l'air. Et j'ai déjà fait une belle introduction de quelques 7 minutes, apparemment. Et je commence à traduire d'abord. Chamor yotse bemardat bizman sheik shuralo. Premier cas de figure, assez simple. Le chamor, l'âne, a le droit de sortir avec sa selle. C'est pas exactement la selle. C'est plutôt la couverture qu'on met et qu'on fixe dessus, où il y a dessus un coussin pour s'asseoir. En gros, c'est une selle, mais beaucoup plus moins perfectionnée. Bisman Shehik Shuralo, à partir du moment où elle est fixée sur lui depuis la veille de Shabbat. C'est-à-dire, si avant Shabbat, il y avait donc cette selle, cette couverture, bien avec le coussin, qu'on lui a fixé depuis avant Shabbat, on a le droit de le laisser sortir avec pendant Shabbat. Pourquoi? Comme ce qu'on a dit, l'âne, il a toujours froid. Même en été,
Et donc, de ce fait, on a le droit de lui laisser cette selle, comme ça, ça lui protège, ça lui évite d'avoir trop froid. Maintenant, il faut nécessairement qu'elle soit fixée avant Shabbat, mais pas pendant Shabbat. On ne pourra pas l'attacher pendant Shabbat, même s'il n'y a pas d'interdit pendant Shabbat à attacher proprement dit. Mais un autre interdit, le Bartholomé explique, on n'a pas le droit de monter sur un animal pendant Shabbat. Puisqu'on n'a pas le droit de monter sur un animal, ça implique qu'on n'a pas le droit de s'appuyer fortement sur un animal pendant Shabbat. Or, pour pouvoir lui fixer la selle et bien la fixer, bien l'attacher, il va falloir s'appuyer dessus, donc c'est interdit. Donc il faut nécessairement que cette selle soit fixée depuis avant Shabbat. Ensuite, Zcharim Yotzim. Maintenant, là, on a une petite série de 5 cas de figure, ce qu'on a expliqué. Zcharim Yotzim Levovin. Les mâles peuvent sortir, on pourra les faire sortir avec, comme ce qu'on a dit, on leur fixait une peau sur leurs membres, de manière à ce qu'ils ne peuvent pas s'accoupler avec les femelles. C'est permis. Vrechelot Yotzot Shchuzot. Kvulot. Alors là, c'est un cas de figure, c'est le même principe pour les femelles, qu'elles sortent soit Shchuzot, c'est-à-dire qu'on leur lève leur queue, de manière à ce que ça va favoriser les mâles à être attirés par elles, ou au contraire, Kvulot, c'est qu'on fait le contraire. On lui baisse la queue et on la fixe. Kavoul, c'est quelque chose qu'on fixe avec une... avec Kavoul, même en hébreu moderne. Quelqu'un qui est Kavoul, c'est quelqu'un qui est attaché, qui est ligoté. Donc en fait, on lui rattache la queue, de manière à ce qu'on ne peut pas s'accoupler avec eux, avec elle. À ce que les mâles ne peuvent pas s'accoupler avec elle. Tout ça, ce sont des... c'est permis. Ou Kvunot, Kvunot, c'est... cette fois-ci, c'est la protection qu'on a dit, le petit manteau pour protéger la laine des femelles. Pas des mâles, parce que de toute façon, la laine des mâles, elle est de toute façon plus épaisse. Et c'est qui, je crois, c'est le Tosfot avec Eger qui précise, si je ne me trompe pas, non, je ne sais plus. Oui, c'est le Rambam, c'est rapporté dans le Tosfot Yom Tov qui rapporte, qui nous explique que c'est donc celle de, la laine des mâles, elle est de toute façon plus grosse, plus rigide. De ce fait, on n'a pas de problème, on n'y a pas d'intérêt à la protéger, ce sera une surprotection qui sera interdite pendant Shabbat. Tandis que pour les femelles, on veut veiller à ce qu'elles restent bien blanches et souples, alors dans ce cas-là, on aura le droit même de la protéger. Ha'izim yotzot tsururot. Et les chèvres pourront sortir tsururot. C'est qu'on leur a mis un tsror, on leur a mis un anneau pour les attacher. En fait, on parle des femelles, on leur protège les mamelles pour préserver leur lait. Le Mefarshim explique, pendant tout Shabbat, on ne peut pas les traire. De ce fait, on risque de perdre du lait. Ça risque de couler, ça se remplit. Ça se remplit et puis ça se remplit de trop. On n'a pas envie de perdre ce lait, on a envie de le garder. Donc du coup, il y avait un moyen d'attacher quelque chose, d'attacher, je sais pas, un anneau sur la mamelle pour ne pas qu'elle va perdre son lait pendant Shabbat. Comme ça, on pourrait le récupérer entièrement, intégralement pendant Shabbat. Ça, c'est l'avis de Tana Kamma. Donc voilà, on a fini la première série. Après, il y a des petites discussions techniques. Allez, on les fait tout de suite, comme ça, on aura fini les mots. Ceux qui sont pressés, ils pourront fermer. Franchement, il n'y a personne qui travaille de toute façon. Mais quand même. Rabbi Yossi Oser Bekolan. Rabbi Yossi interdit tous les cas de figure, à une exception, Chutz Mina Rechelim Akvunot, à l'exception des Rachel. Rachel, c'est la brebis, qui est Kvuna, qu'on protège sa laine, pour qu'elle reste belle. De nouveau, c'est pas précisé. Selon Rabbi Yossi, il nous dit tout ce que je t'ai dit, là, l'histoire que tu lui lèves la queue, tu lui baisses la queue, tu recouvres le membre du mal, tout ça, je te les interdis, parce que c'est plus considéré comme un vêtement, c'est plus considéré cette fois-ci comme un pur outil que tu n'as pas le droit de lui mettre pour qu'il sorte avec dans le reçu de Rabbim. À l'exception de la protection de la laine. D'accord? Je vous ai dit, j'ai pas de définition exacte à vous proposer tellement, quoi, parce que si ce n'est le fait que, un, c'est pour préserver sa beauté, tandis que l'autre, c'est purement technique, l'empêcher ou lui favoriser quelque chose. C'est pas précisé, malheureusement, même dans la Gemara, je suis pas encore arrivé dans cet apium là, dans ce marzor du Dafayomi, on est un petit peu en avance par rapport au Dafayomi, mais si je me rappelle bien de la dernière fois que j'avais utilisé Shabbat aussi, ça sortait pas assez clair, pas assez tranché. D'accord. Rabbi Yehuda Omer, maintenant on a Rabbi Yehuda qui nous dit, Izim yotzot tsururot le yabesh, il nous dit, attention, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit toi, Tanakama. Tous les quatre figures que tu as dit, ça me plaît, ça me convient, ce sont des protections. Mais il y en a un sur lequel je veux quand même une petite précision. L'histoire des mamelles que tu vas mettre un anneau pour fixer que le lait ne va pas sortir, je te permets ça que si c'est Izim yotzot tsururot le yabesh, les Izim pourront sortir attachés si c'est pour sécher la mamelle. Ah bah l'eau les chalav, mais pas si c'est juste pour préserver le maximum de lait. En fait, les Mefarchim m'expliquent que
C'est pas un problème d'intention, c'est un problème de manière d'attacher. Lorsque tu veux, j'ai pas compris non plus c'est quoi exactement assécher la mamelle. Est-ce que c'est la même chose qu'une femme qui veut arrêter d'allaiter, qu'elle doit bien bloquer pendant quelques jours le temps que ça sèche apparemment. Je suppose que c'est ça, c'est pas précisé non plus. Mais en tout cas, il y en a un où tu attaches fortement et l'autre tu attaches pas fortement. Quelle est la différence? Quand tu vas pas attacher fortement, alors on a peur que ça va tomber dans le jeteur abîme et tu vas le ramasser machinalement et tu vas te mettre à le porter. Donc on veut plus que tu le portes. Rabbi Yehuda, il a juste un petit problème technique en fait. Il y a entre parenthèses aussi, il y a par rapport à Tsurvot, il y a Rashi qui a proposé justement, le Bartenora il va comme Rashi et ce que je vous ai expliqué qu'on attache pour ne pas que le lait va tomber de la mamelle, c'est Tosot qui l'explique, c'est rapporté comme ça dans le Mefarshim, Rabbi Kevayir l'explique aussi. Il y a Rashi propose une autre explication que Tosot réfute. Il propose en fait, non, on lui mettait une petite poche sous la mamelle pour récupérer le lait. Et ça, tout ça, tu nous dis, attention, là, un cas pareil, c'est sûr que ça sourd, mais la Torah. Parce que cette fois-ci, c'est plus du tout t'es en train d'accrocher un animal qui va te transporter du lait pendant tout Shabbat. Partout où il va aller, il va faire couler du lait, comme ça tu le récupères. Ça, c'est un vrai interdit de la Torah. Donc il n'est pas question de permettre une chose pareille. C'est pour ça qu'ils ont expliqué qu'en fait, qu'on ligote la mamelle, on la ferme, pour ne pas que ça fasse. On lui met un anneau, pour ne pas que ça va. Que ça va couler pendant Shabbat. Si je rectifie, et si je récapitule un petit peu la notion, en fait, il s'avère qu'en fait, comme ça, si je proposerais, il y a un animal, il est censé produire, tout ce qui est naturellement, tout ce qui est naturel dans ce pourquoi il est prédestiné, produire du lait, se reproduire et me faire des petits que je peux ensuite vendre, manger, tout ça, et bien dans ce cas-là, tout ce qui va être classique, en fait, c'est considéré que Tanakama va le considérer comme un. C'est son Yehoud, donc c'est son vêtement, c'est sa manière d'être. Et dans ce cas-là, ce sera permis de sortir avec pendant Shabbat. Et tout ce qui va être des extras, alors là, ça deviendra interdit parce que là, t'en fais trop, il est plus censé être comme ça. Donc ce qu'il porte, c'est plus un vêtement, mais c'est une surprotection. Et dans ce cas-là, ça devient interdit pendant Shabbat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov Salam.